Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Y'a pas qu'Amstrad dans la vie. On va faire un spécial APB ce soir. Vous m'excusez, j'ai un peu perdu la voix ces derniers temps. J'ai chopé un petit coup de froid, donc j'ai pas non plus la voix au top du top. Mais je vois que ça discute encore vachement. Donc oui, Shoryu joue de la gratte. Ah oui, Heather le clear. Et oui, je me suis dit que pourquoi pas mettre TJ Hooker au démarrage, enfin Hooker comme on disait en France. Ça illustre bien la chose. Ouais, casser la voix. Complètement. On m'entend à peine. Effectivement. Alors, on va régler ça tout de suite. Hop. Allez, on va augmenter un peu le niveau. Voilà. On devrait m'entendre bien mieux. Voilà, ça c'est fait. Ah là, le micro il est monté, vous devriez m'entendre correctement. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir aux anonymes, bonsoir à BDC Iron qui est du côté d'Amstrad EU, à Golem 13, comme NRC c'est moi-même, MyGyver, Mi6 toujours là, à Moonbeam, Modubu, MVK The Boss et Spectro88. Bonsoir, bonsoir. Non, je suis pas tout pâle, j'ai changé la lumière, c'est pour ça. J'ai changé la lumière, je suis beaucoup moins rouge. Et du côté de chez Twitch, qui qu'on a le temps que ça charge? Ça prend son temps à charger là tranquillement. Oh, il y a du monde! Donc on a JB le Daron, JB est là, Kernzip, Moonboon là, il est sur deux endroits. Rafo, Sheldon, Shoryu, Exifose. Et bien sûr, on a Dilou avec nous. Hop, 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 c'est par là, elle est là. Voilà. Donc tu as le bonsoir, Dilou. Donc Dilou, voilà, on a eu des plaintes, elle n'était pas là la semaine dernière, donc elle est là cette semaine. Je l'ai vissée à son fauteuil parce que voilà, j'ai dit, ouais, le public te demande, donc tu dois être là. Donc ouais, comme je disais, excusez ma voix. On va faire ce qu'on peut ce soir avec le peu de voix qui me reste. Salut Coco avec sa voix d'ado, je te remercie. Donc, ouais, ce soir, APB, un jeu Atari. Jeu Atari qui était sorti en arcade en 87. Qui a demandé quand même 30 mois de préparation minimum, enfin 30 mois de préparation rien que pour faire les logiciels pour créer le jeu, les logiciels d'asset et les choses comme ça, créer les graphismes, et après ils ont tout mis en branle, ça a pris un petit peu moins de temps. Mais plus de 30 mois pour sortir ce jeu en arcade sur le système 2 d'Atari. Yadilou, ça fait toute une meute. Oh, Rafo. Je le savais que c'est du rafo. Et donc sorti sur un. Alors pour parler du système 2, tant qu'à faire. Donc ça tourne sur un processeur 16 bits à 10 MHz, un TEC T11, qui était prévu pour reprendre le système des PDP-11. Il y a quand même trois chipsets sonores dessus. Un Yamaha, un YM 2151, 3,5 MHz. Un Pocky, comme sur les Atari, je crois que c'est 400 et 800 XL. Et qui a quelque chose comme 1,7 MHz. Et un Texas Instruments, un TMS 5220 à 625 kHz. Cette machine, elle montait pour faire du 512-384, ce qui était quand même pas mal pour l'époque. Enfin, donc APB, on va le voir. Donc, ce système d'arcade a sorti quand même d'autres jeux pour parler un peu plus de jeux que vous avez connus comme Paperboy, Super Sprint, 720 degrés, Gremlins, sont sortis sur ce système-là. APB, ça veut surtout dire All Point Built-in. Donc, on va découvrir donc sur Amstrad, sur C64, sur ZX Spectrum, Atari et Amiga, parce que finalement il n'est pas sorti sur console ce jeu, et donc que sur ordinateur, pour le meilleur et pour le pire, et on découvrira aussi la version arcade, mais d'une autre façon ce soir, puisqu'on va la jouer sur une compile GameCube qui a remis, donc c'était dans les Midway Treasures, qui a remis ce jeu d'arcade, donc assez sympa à jouer. Avant de commencer avec APB, justement, c'est ce bouquin, il est sorti, donc j'ai vu que Moumoun en avait mis, je crois que c'est Moumoun qui en a mis une pub. Moi, ça fait, je l'ai depuis le début de la semaine. Le dernier Retro Gamer Collection, bon bah, comme d'habitude, hein, c'est du niveau du Retro Gamer Collection. Des fois, il y a quelques petits problèmes de traduction, hein, ça parle de locations dedans. C'est pas très français. Mais il y a aussi un bel article, pour ceux qui voudront essayer APB, un bel article sur APB dedans. Alors, il se trouve un petit peu plus loin. J'ai loupé la page, bien sûr. Je sais même plus où l'est, 132, je crois, si mes souvenirs sont bons. Voilà.
un beau dossier sur justement sur hop là sur APB, leurs différentes choses, le développeur, aussi le développement C64. C'est là que tu apprends qu'en fait que bah, sur C64 on vous a vendu un jeu qui n'était pas fini, puisque une fois que tu passes la dernière journée, le jeu plante. Tu ne vois jamais l'écran de fin. C'est cool. Des questions aussi Mike Kelly qui a travaillé sur la version. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ça parle de Labyrinthe, le jeu sur C64 là, de LucasArts, le premier jeu tiré d'un film de chez Lucas par LucasArts. Aussi un petit article assez court, j'aurais mis un peu plus long, sur le Steel Battalion Controller, cette espèce de gros contrôleur qui était vendu sur un jeu Xbox, enfin sur deux jeux même, malgré que le 2 n'est plus jouable parce qu'il était que jouable qu'en ligne. Donc voilà, gros joystick, le jeu était vendu 150 euros avec ça, avec ce double joystick, pour se prendre comme un pilote de mecha. Et au niveau ordinateur, ben, on retrouve Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, un beau dossier sur Diamond Design, un gros dossier sur Final Fantasy, même si c'est pas ma came, sur le Resident Evil, le Game Boy Color, enfin, sur pas mal de choses. Franchement, non, ils ont comparé à d'autres bouquins rétro. Ils font pas trop dans la console et ça fait toujours plaisir quoi. Bon, il y a un dossier Mario Kart, hein. Ça reste quand même un incontournable. Mais voilà, j'ai pensé à toi, Paco. Un magnifique dossier sur le making of de Nebulus. Pour en savoir plus sur Nebulus. Donc bah je vous conseille de le prendre celui-là. Il est un petit peu au niveau, un petit peu plus au niveau que les autres. Mais voilà. La page Twitch de Commoner me propose d'acheter des bits. Pourquoi je suis pas étonné? Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pour ça que c'est aussi cher sur le bon coin. Non mais non mais Mais de toute façon, personne ne jouait sur C64. Mais si, il y en a qui jouaient. Mais si, il y en a qui jouaient. Et puis rentrez pas dans le sujet. Il y avait quand même des bons jeux qui étaient mieux faits sur C64 que sur CPC et inversement. Donc j'ai loupé le stream de Paco. Je regarderai quand il remettra son replay. Je ne pouvais pas être là. J'étais malade. Donc bah, on peut pas tout voir. Et donc, bah, on va pas perdre trop de temps. Je vais pas perdre non plus trop ma voix, puisqu'on va commencer avec la version CPC. Hop, on va la démarrer. Hop, clic-clic de story, c'est parti. Hop là. Bon. Est-ce qu'il y a un détournement de catalogue? Il y en a qui jouent sur 64 évidemment avec un émulateur CPC. Pas de détournement de catalogue cette fois-ci. Quelle tristesse. On aime les détournements de catalogue sur Amstrad. Vite, oui, vite. Le petit chargement. Bon, on l'aura aussi cette page-là sur le 64. On le verra. Pas très lisible. Hein. Je sais pas si la palette est le mieux choisie pour l'écriture de Tengen, là en blanc et mauve. C'est pas du plus joli, mais c'est bien choisi. La petite blonde avec sa petite coupe à la Jackson 5 et ses petits roploplos. Et notre cher officier Bob qui rentre dans la police. Oula, c'est un peu fort. C'est un peu le son du jeu. Voilà. Ça devrait être mieux là. Donc voilà, petite page écrite. Donc Tengen, c'était on va dire la sous-marque d'Atari. Tengen était là pour faire les conversions d'Atari. On a quand même une musique de David Whittaker, souvent signe de qualité. Et ça a été codé par Walking Seeker Circles pour le Z80. Alors, bon, on va choisir le joystick. Et puis on va se lancer tout de suite par la première journée de notre officier Bob, qui va être un entraînement. Un rapport avec Maria. Non du tout, Maria était brûlée. Alors, on va sur Amstrad, on peut commencer donc par des jours différents. Comme ça vous aide de recommencer au début. Et on peut commencer par la 8e journée. Je crois qu'il y a une vingtaine de journées, je crois, sur la bande d'arcade. Sur CPC, je sais pas trop. Donc on va commencer déjà par l'entraînement. Donc il faut arrêter des cônes. Donc ça c'est APB. All Points Melting. C'est écrit au-dessus du jeu. Allez, on accélère en appuyant sur avant. On appuie sur le bouton pour laisser la. Pour laisser la sirène, voilà. Quand on laisse la sirène, en fait, vous voyez si j'ai raté une cible. Et en fait, on
va arrêter les gens au niveau de la cible. Les gens, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'entraînement, c'est pour apprendre le jeu. C'est sympa qu'ils aient fait un niveau d'entraînement démarrage. Ah, ah, si je me veux. Alors, elle est pas super au niveau scrolling, c'est sur le stade. Et on a fini notre journée. Alors, la journée se passe comment? Donc, vous avez la partie haute, on est chronométré en temps, et en essence, là, vous avez gaz. Pour augmenter le temps, il faut, sur la route, prendre des donuts et s'arrêter à des stations-service pour prendre l'essence. Comment on contrôle le son du jeu, du coup, on entend très mal ta voix. Et bah, je vais rebaisser un peu le son du jeu. Voilà. On va pas mettre trop de son de jeu. Alors, quand on met la sirène, les gens s'écartent. Et je dois arrêter les petites voitures roses qu'on a vues dans l'écran, puisqu'il s'est barré un peu vite. Voilà. Alors là, on me propose un donut, mais comme je suis écarté, je l'ai pas pris. Ça aurait pu me permettre d'augmenter ma journée. On va aider la petite demoiselle. Voilà, je viens d'en arrêter un lead bug. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire demi-tour. Ah, viens ici, toi. Voilà, c'est cela qu'il faut que j'arrête. Il y a deux arrêtés. Alors pourquoi je reste sur la ligne droite? Parce que je connais pas énormément la ville. Je vous avouerai qu'entre les différentes versions... Voilà, c'est pas ce qu'il fallait faire. Entre les différentes versions... Oh mais merde! Je l'ai à peine touché. Je l'ai même pas touché, je dirais. Voilà, j'en ai arrêté un autre. Et... Alors là, je me suis fait baiser par le scrolling. Voilà. Faut que je retourne à la caserne. Mais merde! Ça tombe bien, en même temps, j'en arrête. Mais merde. Donc, je me dépêche. Retourner à la station, à la caserne. C'est chiant. C'est chiant parce que les différentes versions que je vais essayer d'apprendre. J'ai essayé d'apprendre à connaître un peu le réseau de la ville. Et ben c'est pas facile. Allez, allez, le scrolling toujours en retard. Alors faudrait que je fasse demi-tour, mais le problème c'est que bien sûr toutes les voies sont à sens unique. Tant qu'à faire, j'en profite pour arrêter ce que j'ai arrêté. Un petit peu de thune. Peut-être s'arrêter parce que là... Tiens, la journée est bientôt finie, je vais pas avoir le temps de rentrer à la maison. Alors, il y a tout un plan de ville quand même. Il est pas si mal, hein, l'écran sur Amstrad est quand même vachement réduit. Pour que ce soit animé comme ça. Ils auraient pu faire un effort sur le scroll, même si ça a l'air d'être chaud, comme ça part un peu dans tous les sens. Vous voyez, on sort cale, c'est vraiment par à coup. C'est bien dommage. Alors, là, on peut prendre de l'essence. Je voulais toujours le gyrophare, ça me permet ce qui s'écarte et de prendre moins de choc. Il faudra un donut là parce que l'horaire de la journée devient rouge. Bon, ah là. On a eu le temps de rentrer à la au commissariat. Donc ça, les démérites, c'est le nom de voiture que j'ai éclaté. Donc on doit aujourd'hui arrêter Freddy Freak pour 1000$ qui vend de la drogue et sa voiture. Alors je vous le dis tout de suite parce que j'ai vu la version arcade, à l'origine c'est un van Volkswagen avec des petites fleurs au-dessus. Alors lui il a un résistomètre, c'est-à-dire qu'il va falloir en plus lui rentrer dedans, puisque j'ai pas encore d'arme. Il va falloir le trouver. Donc on doit toujours arrêter des leadbugs, donc eux voilà, on en profite, on a le nombre de leadbugs qui descend. Voilà.
Hop, on prend la petite jeune fille sur le côté. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, c'est une autostoppeuse. N'allez pas vous imaginer des choses. Hein. Ce ne sont pas des jeunes femmes qui monnaient leur temps et leur charme. Bon appétit, Rafo et Minou. Hop, lui aussi, on va l'aider. Alors, il est où, ce méchant? Alors, il faut savoir que sur les versions 16 bits et arcade, plutôt que de chercher, comme un taré, comme je suis en train de le faire, le méchant, sur la version arcade, il ferme un peu la zone. Il y a des barrages policiers qui vous gardent un peu dans la zone, donc du coup, on cherche beaucoup moins longtemps. Chose qu'ils n'ont pas fait sur les versions 8 bits. Et qui rend le jeu particulièrement long, parce que ça se trouve, là, comme on a un joli scrolling qui prend la moitié de la route, j'arrive enfin à voir la route, et ben ça se trouve, je suis passé à côté. Allez. Oh merde, j'ai éclaté ma bagnole juste en arrivant là, quoi. Allez, on prend ça, on va acheter quelques améliorations. Bon, j'ai pu en prendre qu'une, c'est une seule par jour si mes souvenirs sont bons. Bon bah du coup, on va retourner. Ah bah ça se trouve, et bah j'ai perdu. Parce que trop de démérite, j'ai fait trop éclater la bagnole. Vous avez jamais joué à ce jeu-là? Voilà, too many demerits, vous êtes viré. Alors quand ils te virent, bien sûr, ils te mettent dans le panier à salade, hein. Sympa les gars. Sympa les collègues. Vous êtes viré. Donc on va commencer, par le jour 3. Donc une aide. Little Daily Bug, et si possible pour 1000 on va arrêter Freddy Freak si je le trouve. Excusez-moi. Oh putain, j'ai freiné à temps. Allez, poussez-vous, con de mime. C'est bon, j'ai pris le donut. Alors moi, quand j'étais petit, je me disais qu'il donnait... Ah tiens, énorme donut, là. Ah, parce qu'un flic sans donut, c'est comme un jour sans pluie, quoi. En fait, c'est un jour de soleil. Bref. Alors, bien sûr, à part leur rentrer de face, si vous rentrez dans le cul d'une voiture en ayant votre gyrophare, vous n'avez pas de démérite. Sans le gyro et la sirène, c'est des mérites cash. Allez, je vais l'avoir. Il me reste à aider quelqu'un. Pour l'instant, je m'en sors pas si mal, on accélère. Alors là-bas en arcade, il y avait un volant. Il y avait un bouton pour tirer. Quand on a une arme. Un bouton pour la sirène et un accélérateur. Plus un petit tabouret pour bien se poser. Voilà, on va faire comme ça. Arrête de me faire chier, toi. Alors, il faut encore que j'aille aider quelqu'un. Ce serait cool que je trouve quelqu'un à aider. Où est-ce que je vais, là? Alors, les gens aidés, bien sûr, sont sur le bas-côté. Je vais peut-être se mettre là, peut-être. En trouver un comme il faut. Il y a des sous. Mais merde! Alors, avec ce scrolling, quand il essaie de se déplacer
et que tu essayes de tourner en même temps, c'est horrible. Parce qu'il prend une fois sur deux. Ah, c'est pas répétitif la sirène. Ah non. Personne à aider là? On va aller voir là-bas s'il y a quelqu'un à aider rapidement. Je vous arrête la sirène. Habituellement, qu'il y en a plus court, on tire là où il y a la cible. Alors oui, c'était sur le moteur de Spy Hunter. Voilà, de face ça fait boum. Non mais sérieux. Ah là. Alors, on a toutes nos missions. Time out. Bah voilà, je l'ai dans le cul. Donc voilà pour cette version Amstrad. C'est propre ou net, c'est chatoyant au niveau visuel. Alors, armé avec la sirène et presser la sirène deux fois pour arrêter. Les honkers. Alors, voilà. La ville a changé. Parce que maintenant, on part un peu dans tous les sens. Ah, je me... Mais l'autre, il roule en plein milieu, quoi! Il roule sur le terre-plein. Comment veux-tu que je le chope? Il passe sur les panneaux et tout. Voilà. J'en ai chopé un. Choper lui aussi. Un deuxième. Oh, mais je... Non, non, franchement, le scrolling, quand ça scroll, ça te prend plus la manette. C'est relou. C'est relou. Elle est pas très maniable, cette version Amstrad, hélas. Mais c'est pas la pire. C'est pas la pire. Ça reste quand même jouable. Prends des moments sapins. Voilà. Vous voyez, pendant le scrolling, j'ai pourtant mâché le bouton de sirène. Allez, poussez-vous, là. Ah, il me faut un Hitchers, donc une autostoppeuse. Je sais pas si vous entendez le petit rythme derrière, la petite musique. Alors eux, bien sûr, ils passent à travers tous les trucs qui pourraient m'exploser la gueule. Hein. Mais au moins, ils suivent la route. C'est déjà ça. Voilà. Bah, allez. Virez. On me sort de ma caisse. Panier à salade. Dégage. Voilà pour cette version Amstrad. Je vais pas vous montrer, hein. Ça reste à peu près le même jeu un peu souvent. Il est assez sympa. Donc, hop, version C64. On va agrandir un petit peu là. Alors, il y a une version Spectrum. Oui, il y a une version Spectrum. Alors, l'émulateur a décidé de planter, hein, tant qu'à faire. Je vous ne réponds pas. Donc du coup, redémarrons l'émulateur. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce que vous dites de vos pronostics? Pas trop mal. Donc, vous connaissiez pas ce jeu-là? Tiens, ça m'étonne. Pourtant, c'est un PB quand même. C'est pas un grand jeu, mais il est quand même assez correctement marché en arcade. Alors. Ah, Tarodius travaille trop. C'est pas répétitif, la sirène et la zik non plus. On dirait qu'un gamin qui découvre qu'il peut faire les pompiers avec un harmonica. C'est tout à fait ça. Effectivement, pour un ZX, c'est beaucoup mieux côté UK, hein, à le chercher.
Alors, du coup, je suis en train de lire en même temps ce que vous dites sur Twitch. Voilà, donc, allez. Bien sûr, je vous demande 2 petites secondes parce que, comme d'hab, sur cet émulateur, il va falloir que je configure mon joystick, que je le calibrate. Voilà, c'est fait. Allez, hop. Oh, décidément. La version 64 a décidé de ne pas marcher. C'est pris une belle petite erreur. Bon, on recalibre le joystick puisque je l'ai redémarré. En plus, ce menu, mais il est mal fait. Faut que je trouve un autre émulateur. Il marche bien, hein. Enfin, je veux dire, il émule bien, c'est propre. Mais voilà quoi, des menus en version C64, c'est plus que bof. Allez, bonne nuit, Moonbeam. Donc on est quand même sur un chargement rapide puisque c'est une disquette là. Allez. Allez, c'est parti. On recommence, première mission. Là, on peut pas choisir le jour. On va collecter le code. Vachement plus rapide, vachement plus fluide au niveau scrolling, il n'y a pas photo. Par contre, c'est super moche sur le côté au niveau des scores. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que c'est totalement illisible. Et voilà. Ah, il y a des couleurs fades, hein. C'est du C64. Donc la note Litterbug, la voiture rose. J'en ai déjà 3. On va prendre les sous, hein, tant qu'à faire. On est de la police, nous prenons les pots de vin qui traînent sur la route. Et a fortiori. Ah merde! Ah bon, j'ai pété les machins. L'autre, il m'a retiré mon donut sous le nez. Fumier! J'ai fait le tour, j'ai plus la série, j'en reprends un. Donc ça c'est la vraie musique de David Boutet qui a créé quand même et qui a transposé sur ses PC après. Je reconnais sa patte. Par contre, au niveau des décors c'est plutôt fade, hein. Une voiture blanche. C'est pas jouasse. J'ai l'impression de retrouver là quand je jouais cette version là. J'ai l'impression de retrouver la partie voiture de SOS Fantôme. Le même décor. Au moins sur Amstrad, le pullover il clignotait, enfin où il était blanc, bleu et rouge, c'était fun. Fameux friki frik, je le trouvais vachement plus joli quand même sur notre version CPC.
Le seul avantage de cette version, ça reste quand même cette fluidité qui est plus que propre. Hein. Franchement, testez les deux. Hein. Si le CPC avait la maniabilité de la version C64, ce serait un très très bon jeu. Extra time. Ah, le menu en sprite, c'est peut-être possible aussi. Ouais. Voilà. J'ai fait mon nez. Casse-toi, toi. Je peux retourner à la base. Allez. Je pense que la version CPC, il y a peut-être quelque chose à retoucher qui a été mal codé. Oh, là, les voitures blanches et bleues sur le côté, là. Wouhou! Vous arrêtez votre sirène, les mecs reviennent sur vous, quoi, mais sérieux. Ah là, ce respect de la police, quoi. Espèce de chevelu. Hippie. Alors, il y a des choses à faire, vous pouvez passer au magasin. Prendre des donc une par jour avec votre argent, accélération, frein, vitesse, reprendre de l'essence aussi pour continuer le jeu, ou des donuts pour faire des heures supplémentaires. Casse-toi. Ça manque aussi un petit peu d'intelligence dans l'IA quand même. Donc comme vous avez pu voir, avec le maniement un peu plus fin, donc du fait que il coûte bien moins de joystick, quand je... Donc là il faut... Allez, on curse, il faut deux. Voilà. Comme il coûte bien moins de joystick pendant les scrolling, j'ai un meilleur maniement. Ça, il n'y a pas photo. La voiture reste au milieu. C'est vraiment... Sur ce jeu-là... C'est vrai que j'essaie de... Je sais pas si on peut sur l'émulateur désactiver ce castrol ou qui me fait chier. On courir un peu à Honkers. J'ai un Hitchers à prendre. Il faut se souvenir que les Honkers, c'est deux coups de sirène. La version Link, j'ai pas prévu de la tester ce soir. Mais effectivement, il y a une version Link qui est très très jouable. Là, j'ai pris une voiture en sens inverse. Ah bah, je vais me faire défoncer. Ah oui, là, il y a un chat. Mais merde! Il y a une flèche! C'est quoi ces mecs qui roulent en sens inverse de la flèche? Donc, on va acheter... Ah, on peut acheter des guns. Acheter des guns. Là, j'ai pris... Oui, c'est CCS64. Je suis pas un très grand expert du C64. Mais j'espère y venir bientôt. Quand je recevrai mon C64 mini. Pour en apprendre un peu plus. Il manque un Hitchers. Ah. Game over. Demandez pourquoi ça avait figé. Mais si l'émulateur encore planté. Game over. Voilà. Alors là, par contre. Ah. Ça se joue avec un volant et un pédalier sur arcade, oui. Shoryu, enfin, à l'époque. C'était pas de l'analogique, hein. Il faudrait que j'essaye avec vis, voir ce que ça donne. Mais c'est pas la pire version de C64. Comme toujours. Voilà. On va mettre un peu plus grand la vidéo. Hop là. Voilà. Alors par contre, je vais vous remettre l'écran titre. Hein. On va faire un... comment on fait un reset déjà? Un reset. Hop. Et on va...
Oh, le petit écran clignote un peu. Hop là. On a quand même notre petit écran de démarrage qui est plutôt propre, qui était lisible comparé à la version Amstrad. Parce que là, les couleurs, il y a peu de couleurs, mais elles ont été bien choisies. On voit bien le texte. Voilà. Enfin, on voit, quand je dis on voit bien, on voit déjà mieux que sur la version Amstrad le Tangents All Right Resolved. Ok. Donc ça, c'est la souris. Donc on va faire C. On va choisir un joystick Kempston. Et là, je vous le dis, on va pas jouer longtemps. Donc on va rejouer sur l'icône, hein. Mission. Et c'est super trop rapide. Ah là, on peut dire que... J'ai loupé, j'ai réussi à le prendre. C'est super rapide. Alors, je me demande si notre version Amstrad, vu le calcul du scrolling, on n'est pas sur un spé qui porte. Hein. Ça, je vous le dis franchement, je pense qu'ils ont dû prendre le même moteur que les 1Z80 et pas se faire chier et faire juste des graphismes améliorés sur notre version Amstrad. Par contre, là, c'est... Voilà, je suis coincé dans les bois. C'est trop rapide. J'ai quand même réussi à terminer la mission. J'avais jamais réussi à faire un démérite sur les autres versions hein, dans la partie com. Là, j'ai réussi quand même sur les versions ZX. Hein. Alors, l'émulateur Spectrum, c'est Specky. C'est un des meilleurs quand même sur Spectrum. Alors, autant sur les autres versions, les voitures n'étaient pas superbes, mais tu les reconnaissais la couleur. Autant là, j'ai pas regardé comme un con. Et toutes les voitures sont vertes. Voilà, alors c'est les espèces de trucs en fait à l'arrière, ok. Faut bien regarder la forme. C'est de se replacer. Voilà, ceux-là, c'est eux qu'il faut choper. Alors les litterbugs, justement c'est les mecs qui sont à l'arrière du pick-up, ils boivent des canettes et ils jettent ça par-dessus bord les canettes. Et encore un. On reconnaît bien le son de notre version Amstrad, hein, tant qu'à faire. On est quand même sur une version 128K. Faut qu'on se le dise. D'où le fait qu'on ait la musique en même temps. Voilà. Et comme j'ai pas pris le dernier, attends, viens là. Demi-tour. Voilà. Du coup, il y avait personne derrière moi qui m'a rattrapé, bah là, sur ce coup-là-ci. Voilà. Deux démérites font ça d'un coup. Et j'ai quand même réussi à terminer la mission. Excusez-moi. Bon. Donc, dans une voiture sur fond rouge ou une voiture blanche, j'en sais rien. Et il faut attraper monsieur à Madpixel. Le pullover devant la voiture, c'est pour qu'elle prenne pas froid à cause du vent. Qu'ils auraient compté comme canarien comme. Alors là, on est passé au jaune. Alors il monte une voiture sur fond rose pour jouer finalement sur du jaune. Ça reste quand même plus maniable que la version Amstrad, je vous le dis hein, dans les scrolling. Il réagit aussi à mon joystick. Alors me dites pas que c'est WinAPE, je l'ai testé aussi sur le CPC d'origine et c'est pareil. Quand il y a un scrolling sur CPC, ça capte une fois sur deux le joystick. Alors, il manque deux litterbugs, deux insectes de litière. Et on retourne au commissariat. Oh, ici, commissaire Moulin, en avant. Enfin, non, excusez-moi. Jean-Jacques Patulacci.
agent de la paix avant tout. Et voilà, on a eu le temps d'arriver. Finalement, au bout d'un moment, on commence à s'y faire. Team Commissaire Moulin, c'est ça. Hashtag Team Commissaire Moulin. Donc, on s'y fait quand même à cette vitesse. Quand tu joues d'autres versions, effectivement, tu trouves que c'est très rapide. Mais on s'y fait. Même si des fois, c'est relou. Alors là, déjà, on commence à un gros panneau en face de la gueule. Donc, quand t'accélères comme un bœuf. Ça, c'est ceux-là que je dois arrêter. Merde! Hein? Hein? Ah, ça me saoule. Allez, je rage quitte la version ZX parce qu'elle est vraiment nulle. Bon! On passe aux versions 16 bits? Hein? Ouais, Team Marie Pervenche, c'est ça, ouais. Hop là! Allez. C'est parti. Je vais vous mettre quand même. Je peux la fenêtre un peu plus petite, je vais pouvoir voir tous les. Team Louis la Brocante. Non mais sérieux, Rafou, il a jamais été flic, Louis la Brocante. Donc, un magnifique écran. Donc c'était. Regarde, on va revenir sur l'écran. Vous voyez comment écrit le Tengen avec toutes ces merdes-là? À mon avis. Je pense que Iron me dira la même chose, et si MacDess était là, il le dirait encore plus. En fait, on a eu l'écran est repiqué de l'Atari, ce qui est arrivé sur notre Amstrad, et n'a pas été retouché. C'était retouché en mode gros dégueulasse. Posé comme ça à l'arrache, pom pom, sans se faire chier avec la palette, tout ça. Bam! Bon, par contre, là, déjà, c'est propre. On se retrouve avec le petit carnet sur le côté. Je vous avouerai que ça, c'est plutôt sympa. Donc, on a des cônes. J'ai même pas commencé à jouer que... Ah si, non, c'était le temps de lecture. Ok, j'ai cru que le temps était parti. Donc... Bon, c'est propre. La voiture est belle, ça clignote... Bon, par contre, le petit texte qui t'arrête, c'est moyen. Cheers, ticket. On va faire un help. Plus chaud parce que ça se ferme un petit peu. Non, j'ai même pas le temps de finir à temps. Ils sont sérieux là? Alors, faudra m'expliquer pourquoi dans le jeu, c'est pareil sur l'arcade et sur la version Mega, pourquoi ils ont mis des digits sonores de voix, si c'est pour nous mettre du yaourt. J'ai jamais compris ce qu'ils disent. Soit c'est vraiment du yaourt, soit la digite est vraiment mauvaise. Vous voyez, ils jettent des canettes au sol. C'est rapide, ça réagit bien. Franchement, c'est une belle version, cette version Atari. Alors là, je sais pas sur quoi je me suis éclaté. Sûrement le gazon. Il va y avoir une taupe blindée. Ah, je me suis éclaté la gueule sur une taupe blindée. Pull over.
Comme quoi, ils ont rien inventé dans Banjo-Kazooie ou Ukulele. Alors, excusez-moi. Donc là, franchement, là, c'est magnifique. On reconnaît bien le van Volkswagen avec les petites fleurs. Et là, on va essayer de l'arrêter. Alors, déjà, lui, on l'a déjà pris. On va faire un help. Fausse arrestation. Allez, dégage-toi. Hé, mon donut, enfoiré. Voyez, là, c'est ce que je disais. Sur les versions 16 bits, pour pas partir trop loin, pour trouver le méchant, ils ont mis des barrières. Donc là, c'était l'exemple de barrière. Voilà, il manque un help pour faire mon quota. Parce qu'il y a des quotas, hein, bien sûr. C'est la vraie police. Ah bah, la bleue, mon help. Comment ça, fausse arrestation? Il y avait deux sprites l'un sur l'autre. Oh putain, le freinage. Freinage trop court. J'étais surpris par le truc. Livre là. Eat my dust. Il a lancé un truc, cet enfant. Et là, le méchant. Donc j'ai fini sur le bruit parce qu'ils m'ont quand même guidé. Et c'est ça qui est cool. À rentrer notre guilty. Mais ta gueule, je fais ce que je veux. Hop là. Alors eux, ils ont le droit de passer les barrières. Moi, walou. Hein. Et voilà. J'ai fait mon quota, mais j'ai pas eu le temps de retourner à la station. Donc c'est quand même un jeu un peu complet au niveau du système. Donc, entre gérer les différents temps, l'essence, faire les quotas. Et ainsi de suite. Bon, je vous remontre pas avec les honkers, tout ça. Mais on a arrêté notre méchant. C'est déjà ça. Et donc, on va se passer donc sur cette version Amiga. Donc, tout ça est sorti en 89, hein, toutes ces versions. Ah, mais là, c'est pas les SNCF, matériel vétus, les barrières n'étaient pas fermées. C'est méchant à dire, ça. On a toujours la fenêtre de jeu réduite. Il faut savoir qu'à l'origine, quand même, la bande d'arcade, l'écran était mis en hauteur. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils nous les ont réduits. Donc, on va aller chercher la disquette. Et c'est parti. Amiga caca. Ça me manquait, ça, tiens. Merci pour cette intervention de toute beauté, JB. Et bah vous allez vous rendre compte que ouais, finalement cette version Amiga. Voilà quoi. Bon, on attend un petit peu parce qu'il charge la musique. Ouais, mais toi t'avais fait le même genre de digit. Musique sympa. Je vais augmenter la luminosité parce que finalement le jeu est quand même très sombre sur l'émulateur. Alors là, je vais un peu ramer le PC. Alors, où qu'il est, il est là, Louis Dalu. Voilà. Je vais vous mettre un peu plus clair que ce que j'ai moi sur l'émulateur. Il est sombre quand même à la base, donc il fallait jouer sur l'écran. Sur la luminosité quand on y jouait. Je peux choisir le jour. Bon, on va se refaire comme d'habitude, on va se refaire les cônes. Hein. Donc déjà, on n'a plus le petit crayon. Et on a un effet de transparence qui est très sympa. Mais on a toujours notre écran réduit. J'aime beaucoup le son du Pola là.
On est un petit peu mieux que la version Atari, je trouve, sur le scrolling. Donc franchement, c'est propre. Le menu sur le côté est franchement propre. Ils ont fait quelque chose de magnifique sur cette version Atari. Puisqu'on a l'impression d'avoir une aire de jeu. Par contre, les comptes, vous avez vu, l'écran est complètement décalé, quoi. On retrouve les mêmes digits qu'on comprend rien. Salut Youbax. Même digit où on ne comprend rien du tout. Je parle l'APB. Et là. Mission suivante. On a un écran un peu plus grand quand même au niveau visibilité, ça c'est sûr. Hein. C'est plus qu'agréable. Donc meilleure version 16 bits. Non mais. Alors, viens ici toi. J'aime beaucoup la sirène. Ces arrêtés. Effectivement, on passe son temps à activer la sirène. Et maintenant, on retourne au poste de police. Et poussez-vous. Ah, pas tout le temps. Je sais pas si vous vous souvenez de Dragon Ninja. C'était pas super la version Mega. C'était pas plus joli que la version Atari. Et en plus, ça ramait. Et j'ai le droit de mettre le gyrophare. Je rentre au poste, c'est l'heure de l'apéro. Hein. Faut jamais être en retard pour ça. Et voilà. Non, je compare pas. Oui, on peut comparer un peu. Non, moi, je compare pas entre les versions 8 et 16 bits. J'en compare les versions 8 bits entre elles. Et je montre ce qu'on avait aussi en version 16 bits hein, à l'époque. Hein. Histoire de. Parce qu'il y a des fois, on perd des choses niveau gameplay, comme je vous disais. Les petites fermetures de zones quand on veut prendre le. Voilà. Freddy Frick. Ça, c'est quelque chose qui manque réellement dans les versions 8 bits. Donc il est intéressant de montrer les versions 16 bits. Parce que des fois, il y a des trucs de gameplay très importants qui se perdent dans certaines conversions. Et là, tu te dis, mais merde! Et quand tu joues à la version arcade qui est sortie ou tout ça, tu. Tu te dis oui, effectivement, on a vraiment une conversion pourrie sur ce coup-là. Ouais. Ah, c'était par rapport à la com de quelqu'un sur Facebook. Ah ouais, hop, là, je prends le temps de freiner. Mais ce jeu est plein de petites choses comme ça, comme le train qui passe, comme qui rend les choses vachement sympas. En fait, ils ont rendu, on va dire, leur jeu vivant, quoi. Ah, voilà le méchant. S'il me fout pas dans le panneau 55 comme un gros connard. Ah, le help, il me le faut. Du coup, voilà, comme j'ai rempli mon quota, j'ai x2 sur mes points. Là, c'est bien écrit. Hein. Allez, alors, bien sûr, comme beaucoup de jeux, le méchant m'attend. Hein. Vas-y, rentre-moi dedans, je vais plus rien reconnaître. T'arrives ? Ouh, petit poulet, petit poulet, petit poulet.
tout bleu, tout petit, petit poulet. Alors je sais pas s'il faut lui rentrer dedans ou sur les côtés. Je crois que derrière ça fait rien en fait. Il a l'arrière blindé. Bon, j'avais plus de temps. Moi j'étais en train de l'arrêter. C'est un petit peu chiant l'arrêter quand même là. Donc on a quand même une version très très propre. Jouable, tout ça. Ça reste une très très bonne version. Mais là je vais vous montrer la version arcade. Donc comme je vous disais, pour ça que je vous ai détaillé un petit peu le système d'arcade. On est sur, donc j'avais dit un DEC T11, donc c'est un processeur, alors exactement comme il dit sur Wikipédia, qui reprend les instructions et l'architecture du PDP-11. Donc PDP-11 quand même, c'était l'ordinateur qu'il y avait dans les années 80 dans les universités, voire même un petit peu avant. Un vieux truc. Avec donc trois chips sonores, du 512-384, donc avec des jeux comme Paperboy, trucs comme ça. Et là, quand je vais vous montrer la version arcade, qui est pas, enfin matériellement, c'est pas transcendant. Et vous allez vous souvenir des versions Atari. Et on va démarrer d'ailleurs l'émulateur pendant ce temps-là. Donc on va jouer sur Dolphin, un émulateur GameCube. Quand vous allez voir la version arcade, vous allez vous dire, bah, en fait, ils sont vraiment pas foulés pour les versions 16 bits, quoi. C'est un truc de fou. Donc c'est dans Midway Arcade Treasures 2. Alors on va prendre la bonne fenêtre. Allez, il est là. Voilà. Donc Midway Treasures 2, donc c'est une petite compile avec. Pourtant c'est un jeu Atari, mais Midway a dû racheter la licence. Donc ça apparaît dans Midway Treasures 2. Donc tous ces jeux d'arcade des années 80 qui étaient sortis et donc qu'on retrouve dans cette compile. Donc du Mortal Kombat, je vous laisse montrer un peu la démo, hein, une petite chose. Et donc qu'est-ce qu'on en retrouve? Donc notre APB qu'on va tester, Arch Rivals, Champion Sprint. Cyber Brawl, Gauntlet 2, Hard Driving qui était aussi assez sympa, Cosmic Crooks, Mortal Kombat 2, 3, Narc, qui est moche, Pit Fighter, Primal Rage, Rampage World Tour, donc la nouvelle version de Rampage que vous trouvez aussi sur le Midway Treasures 1, Spy Hunter 2 avec de la 3D. Timber, Total Carnage, Waco, Wizard of War, Xenophobe et Xibots. Donc on a dit, donc nous, on va se faire APB en arcade. Donc comme vous voyez, habituellement le crédit y était, mais l'écran était vraiment en hauteur. C'est pour ça qu'on a les écrans réduits sur nos conversions. Excusez-moi. D'ailleurs, tiens, commence à se faire soif. On va regarder un peu l'intro de la bande d'arcade. Donc j'ai deux crédits pour jouer. Hein. Hop, ça s'ouvre tout seul. Allez, à vôtre, les amis. Voilà. Déjà, rien qu'au niveau du graphisme. Quand même, il y a des panneaux, il y a de la pub pour Gauntlet, il y a tout ça. Ça fourmille de petites choses. Voilà, si vous faites trop de démérite, vous êtes viré. Et je vous invite à regarder pendant que je vais jouer le décor. Si on va passer à côté du bar, vous allez peut-être voir des gens dans le bar, donc par les fenêtres, en train de boire un canon. Ça fourmille énormément de choses. Bon, je demande pas qu'on ait tous ces détails sur nos versions 16 bits.
Bon, sur les 8, faut pas non plus trop rêver, mais sur les 16 bits, voilà, il y aurait pu avoir ce petit truc en plus. C'est franchement, c'est super joli. Donc, on va refaire nos cônes. Alors, j'ai un accélérateur là. Bon, ça fait drôle parce que c'est vrai que j'avais pris l'habitude des mérites. Deuxième des mérites, allez, ça commence bien. Les traces de pneus et je suis pas allé assez vite. Même le petit graphisme là est vachement plus fin. Les gyrophares sont peut-être un peu gros, ouais. Mais il fallait que ça se voie bien. Il y a des ponts, il y a tout ça. Alors j'ai du mal à me faire. Au maniement, parce que c'est vrai que j'ai joué, comme je vous disais, avec en appuyant en haut pour accélérer sur toutes les machines, et là je dois appuyer sur le bouton d'accélérateur. Enfin, je laissais pas appuyer sur les autres versions. Si vous appuyez au fur et à mesure un petit peu plus à l'avant et vous reliez votre vitesse comme ça. Par contre, les digits sont magnifiques là. Enfin, magnifique. Si on veut, elles sont un chouïa plus compréhensibles. Et franchement, cette version arcade, elle est passée pas mal. Alors, bien sûr, il faudrait que je teste, d'ailleurs que je demande à mon ami Mathieu là s'il pourra un jour ramener. Peut-être son volant GameCube. Voir si ça se joue avec un volant. Si on peut y jouer, ça. Le bus. Belle explosion en tout cas, hein. Avec le mec qui gueule à côté. Et voilà, je me fais virer. Elle est belle cette version arcade quand même. Oui, ils sont pas... Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ils sont pas foulés sur les conversions 16 bits. Et c'est aussi pour ça que je montre les 16 bits et j'ai voulu vous, ce soir vous montrer aussi l'arcade. Parce qu'on n'est pas loin. On est sur un système d'arcade de 87. Ce jeu est sorti en 87 en arcade et en 89 sur les 16 bits. Bon, effectivement, il y a énormément de contenu, comme je vous disais, comme je l'ai lu dans l'article. 30 mois de travail de préparation avec les graphismes, machin, pour tout faire. Pour préparer les outils où ils ont fait la route, tout ça. Créer le moteur. Et après, ils ont tout monté tout ça comme un puzzle. Donc, il y a énormément de matériel. J'ai pas... voyons voir. Est-ce que j'ai la taille de la ROM? On va essayer de voir ça. Donc, en fait, le volant, c'était un Rotary, hein. Possible que c'était de l'analogique finalement. Une pédale d'accélérateur, deux boutons. Donc un tir, une sirène. Alors elle se vendait donc en 87, la bande d'arcade, 3 000 $ de 1995. Il y a eu 2 000 unités vendues. Et il y a dans cette version arcade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes seulement. 7 personnes pour le développer. Mais c'est dommage, j'ai pas la taille de la ROM au final. Donc voilà pour cette version arcade, qui est magnifique quand même. Regardez les ponts, les ombres, tout ça. S'il y a une version, je vous dirais d'essayer. En 8 bits, c'est la CPC qui est vachement plus chatoyante, vachement plus jolie. Si un jour quelqu'un veut se plonger dans le code pour comprendre pourquoi ça rame comme ça quand il y a du scrolling, je pense qu'il y a quelque chose à y retoucher parce que ça a dû être codé avec les pieds. Ensuite, les versions de 16 bits se valent, mais autant jouer ça sur GameCube, quoi. Là, on a une version arcade qui est plus que propre. Ou sur la véritable arcade, hein, pourquoi pas, tant qu'à faire. Donc voilà, ça aurait été une émission courte ce soir. Parce que je perds de plus en plus ma voix, ça devient un peu plus difficile. J'en bois un coup d'ailleurs.
Je vais pas vous montrer à chaque fois les mêmes niveaux, hein, parce que ça se répète énormément. Voilà, on voit encore la vidéo. Ouais. Franchement, c'est vrai que cette version 1.4 est super plein de vie. Même au niveau des panneaux de pub, c'est clean, c'est propre. Je pense que ouais, elle a dû en jeter. Et on va se quitter sur une démo Mega Drive, passe à la révision 2017 de Titan. C'est l'Overdrive 2. Franchement, c'est une belle utilisation de. Quand on voit ce qu'ils arrivent à faire avec une Mega Drive, on se dit qu'ils sont pas foulés quand même quand ils ont fait APB sur le... vraiment sur l'Amiga et tout ça. On va se faire des bisous. On va se dire bonne soirée. Allez, bonne soirée aux anonymes, à BD Siren, Golem 13, Commander c'est moi-même, à Moonbeam, à Moodubu, à Sugarbox, Tarodius, Eziskie. Oh, mais il y a encore plus de monde du côté Twitch. BD Siren est là aussi, JBL Daron, Kernzip, Lon07, Moonbeam, Tarodius, Rafo G2L2, Shoryu, Tetomuk, Xifos et Zisquire. Donc, profitez de la petite démo qui arrive, là, pour 8 minutes, et c'est que du bonheur. Bisous à tous. À dans 2 semaines. Hop là, c'est ici que ça se passe.